Un bon mol encore dirigé par les Français. Machinon va jouer le fermé, il va chercher le 2 contre 1. Mais Tipoury s'est bien replacé. Ouais, bon, superbe avec Pélissier maintenant qui accélère. Il a le soutien de Loret qui arrive le long de la ligne de touche. Pas poussé en touche, ça joue. Machinon sur les extérieurs. Vite, faut écarter ce ballon. Poirot, Trinduc avec Ficou, il va y aller. Avec elle, accélère. Quel Ficou, les 7 Français. La voilà la réplique à la 20e minute. Et c'est sous les poteaux de Gaël Ficou. Son 7e essai en bleu. Il est magnifique. Ça part de touche aux 40 mètres des Français, d'un bon ballon porté de Machinot qui veut jouer un fermé avec justement Ficou qui a réussi à faire rebondir le jeu et Pélissier qui lui a fait la différence dans le couloir des 15 mètres. Le ballon est sorti rapidement et Ficou est venu jouer à hauteur de François Trinduc dans la cassure. Magnifique action collective des Français qui ont été très efficaces. C'est d'abord Ficou qui joue à hauteur malgré deux défenseurs sur lui, sur Pélissier qui fait le coup de la toupie, qui va casser le défenseur, le plaquage de Navidi. Ensuite, la transformation de jeu, Trinduc qui sert Ficou, qui s'est décalé sur la passe dans l'intervalle entre Parks. Au départ et à la conclusion, Gaël Ficou,